mes petits champions, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. On va faire les cinq sens. Les cinq sens. Donc, comme il indique le titre, les sens, ils sont, on a cinq sens. On a le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Répétez. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Donc, on a cinq sens. Très bien. Quel organe on utilise quand on veut goûter quelque chose? Oui? Très bien, c'est la langue. Très bien, on utilise la langue. Répétez, la langue. Donc, pour goûter, on utilise la langue. Très bien. Et pour sentir, qu'est-ce qu'on utilise? Oui? Très bien, Très bien, le nez, il est là. Donc, pour sentir, on utilise le nez. Et pour regarder, bien pour voir, on utilise Très bien, les yeux. Bien, l'œil. Deux yeux et une, c'est l'œil. Très bien. Et l'ouïe, quand on veut entendre quelque chose, qu'est-ce qu'on utilise? Oui, très bien, c'est l'oreille. Très bien, l'oreille ou bien les oreilles, les deux oreilles. Bravo. Et pour toucher, on utilise les pieds? Non, on utilise la main, très bien. Bravo. Donc, on prend. Pour goûter, on utilise la langue. Qu'est-ce qu'on peut goûter? Oui, la glace. Très bien, bravo. L'odorat. Pour sentir, on utilise le nez. On sentir la fleur. On sentir la fleur, très bien. La vue, on utilise les yeux. Très bien, les yeux. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Oui. Nos parents, oui. Bravo. L'ouïe, on utilise l'oreille, ou bien les oreilles. Oreilles, très bien. On peut écouter la musique ou bien les comptines. Et là, la main, on utilise la main pour toucher. Toucher quoi? Pour toucher, par exemple, le tableau. On touche le tableau. Très bien. Donc, on va faire un petit rappel. On a cinq sens. Répétez, cinq sens. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.